Hey, c'est bien de Gambilan, j'espère que vous allez bien. On continue de briser des os avec effusion d'hémoglobine sur Mortal Kombat 10, l'édition XL. Nouveau montage film en 4K 60fps, petit reshade graphique améliorant la netteté, et j'ai aussi monté un peu la luminosité qui est bien trop sombre par défaut. Allez, fini par l'autre, place au jeu, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon visionnage, et si ça vous plaît, n'oubliez pas d'acheter le jeu. Bisous! Il y a plusieurs millions d'années, Shinnok, l'un des dieux anciens, se rebella contre les autres divinités et envahit le royaume Terre. Raiden et les dieux anciens arrêtèrent ce traître et l'emprisonnèrent dans le Nether. Shinnok avait cependant fait des émules. L'empereur de l'outre-monde, Shao Kahn, ne rêvait ainsi que de conquérir la Terre. Raiden convainquit les dieux d'organiser le tournoi du Mortal Kombat, afin d'équilibrer les forces en présence et de donner une chance à la Terre. Pendant longtemps, Shao Kahn se plia aux règles des dieux anciens. La guerre s'était déplacée dans l'arène, où les plus puissants guerriers de Shao Kahn affrontaient les combattants de Raiden dans des combats sanguinaires. Il y a 2 ans, Shao Kahn fut vaincu. Mais il refusa de reconnaître sa défaite. Enfreignant les règles du Mortal Kombat, il envahit le royaume Terre. La plupart des défenseurs, nos amis, furent tués, changés en maléfiques guerriers morts-vivants. Mais nous parvînmes malgré tout à stopper Shao Kahn. Pour le punir, les dieux anciens lui ôtèrent la vie. Nous avions cru que le cauchemar était fini. Mais en réalité, Shinnok avait tout manigancé. L'invasion de Shao Kahn, sa mort. Il s'agissait d'un plan qui lui permettrait de s'échapper du Nether et d'affronter à nouveau les dieux. En douceur, tu veux bien? Comme d'habitude, quoi. Si par d'habitude, tu veux dire jamais. Major? Ok, vous avez les coordonnées du point de rendez-vous. À l'autre bout de la forêt. C'est là que se trouve le portail vers le temple céleste de Raiden. Là où nous attendent un dieu renégat et ses sbires démoniaques. Des dieux, des portails, des démons volants, des guerriers aveugles maniant l'épée. Le monde a changé. Et le pire nous attend si nous n'arrachons pas Shinnok du temple de Raiden. Il veut empoisonner l'énergie vitale de la Terre, de Jinsei. S'il croit qu'on va le laisser faire. Kenshi et moi remercions le Major de nous avoir permis de nous joindre à vous. Vous aider à renvoyer cette ordure dans le Nether est un honneur. Oh!
T'avances un peu vite, là. Tu crois pas? Je retourne à l'hélico. Sonia, dégage de là! Eh ben, c'est pas très chaud ici. Préférait quand on était dans le même camp. Ça va? Mieux que les gars, déjà. Ouais, encore un crime dont Shinnok devra répondre. Yeah!
Raiden, il faut qu'on aille restaurer les défenses du portail tout de suite. Non, Fujin. Il est trop tard. Les puissants dieux du royaume Terre. Ta présence souille ces terres sacrées, Quan Chi. Va-t'en. Tu n'es pas heureux de revoir tes amis ? Tu les as abandonnés à la mort. Moi, je les ai ramenés à la vie. Une vie pire que la mort. Cette mort qui t'attend toi aussi, mon maître lui-même sera témoin de ta chute. Nightwolf. Sonia. Le vrai Jax ne frapperait pas son meilleur ami. Johnny Cage, je me réjouis de te massacrer. On te soignera un de ces jours. Eh ben, ça fait plaisir de les revoir. Sonia, ce n'est pas lui. Major Blade. Sergent, qu'y a-t-il ? C'est ça l'ascenseur ? Ouais, l'ascenseur. Centaur enferme les âmes de mes ancêtres. Elle me guide. Et elle pourrait pas se dépêcher un peu, là ? Monte. Reculez, vite. Continuez. Vous, vous restez là. Fermez la porte. Ha ha ha.
Te vois-tu enfin, Raiden? Ton héritage. Tu infestes leur cœur d'espoir. Et qu'as-tu à offrir? La même chose qu'il y a des milliers d'années, quand tu as trahi les autres dieux et que tu as attaqué la Terre. Nous t'avons arrêté, nous t'avons enfermé dans le Nether, et nous le referons. Quand l'ombre est éloignée de la lumière, elle grandit. L'héritage de la vie, c'est la mort, Raiden. Mes disciples l'acceptent et vont de l'avant, en se battant pour moi. Tu n'auras pas le Jinsei. Oh que si. Et le royaume Terre apprendra la dureté de la mort. Désolé, madame. Je vous avais pas vu. Misérable parasite, pathétique vermine, immondice infecte, comment oses-tu? C'est à moi. T'es prêt? Comme toujours. Elle sera la première à me rejoindre. Non! Je sais pas trop ce qui vient de m'arriver, mais il y a une chose dont je suis sûr. Je t'interdis de lui faire du mal. Bel et bien, Dieu déchu. Johnny Cage, l'amulette! Profite de ta nouvelle piole, papy. Senya? Johnny... Est-ce qu'on a... Ouais. On l'a eu. Reste là.
Les pouvoirs de la chambre guériront rapidement, Sonya Blade. Quan Chi et les autres, disparus. Une vague d'énergie à l'intérieur de la chambre a submergé mes sens. On s'occupera de Quan Chi plus tard, Kenshi. Nous avons fait une jolie prise aujourd'hui. L'amulette de Shinnok. Et à l'intérieur, ce vieux Gulderay lui-même. Nous devons rapporter cette amulette aux dieux anciens. Ils ne peuvent la détruire. Personne ne le peut. Ils sauront peut-être quoi faire. Shinnok ne doit pas s'échapper. La guerre n'est pas terminée. Quan Chi s'est échappé. Pourquoi souris-tu ? Elle m'a appelé Johnny. D'après Raiden, je serais issu d'une secte guerrière de la Méditerranée. Des guerriers au service des dieux. J'ai jamais pu invoquer à nouveau ce halo vert. Pour Raiden, il a été déclenché par la vue d'un être aimé à l'agonie. Et toi, Cassie, tu peux aussi générer un truc comme ça, ou ça a sauté une génération ? Eh, doucement, Jin. On n'a pas eu besoin de halo au Darfour, ni en Iran, ni au Kurdistan. Pas vrai, Jackie ? Ça, c'est sûr. Les Shaolin t'ont déjà envoyé là-bas, Jin ? J'en ai vu plein des conflits, et Takeda aussi. Des trucs qui feraient chier dans leur froc, les forces spéciales. Ta gueule ! Du calme. Si vous êtes là, c'est que vous le méritez. Écoutez, vous êtes tous uniques et formidables. Bref, ça vous a vraisemblablement échappé, vu que j'ai pas reçu vos cartes de vœux. Mais sachez qu'on fête aujourd'hui nos 6 semaines en tant qu'équipe. Le secrétaire Blake est très satisfait de nos progrès. Même si on lui crachait à la figure, il serait très satisfait de nos progrès. C'est quand même lui qui a demandé à Monsieur Cage de former l'équipe. Je suis content que les Shira et Ryu m'aient envoyé. Ces nouveaux endroits, ces nouvelles rencontres. Comme l'a si bien dit le secrétaire, nous autres vétérans devrons un jour prendre notre retraite. Et c'est votre génération qui assurera la relève. Les Shaolin, les forces spéciales, les Shira et Ryu, tous ensemble. Pour votre première mission en équipe, vous irez au temple des Lin Kuei. On n'a pas de nouvelles du grand maître depuis un bail. Il faudra donc s'assurer qu'il est toujours de notre côté. Et qu'il sera là pour nous aider si les choses s'enveniment avec l'autre monde. Sub-Zero doit nous rejoindre, mais ne vous étonnez pas s'il ne se montre pas très coopératif. Qu'est-ce qui se passe avec l'autre monde ? Je pensais que Kotal Kahn respectait les accords de Reiko. C'est le cas, mais il est face à une guerre civile. Si les rebelles gagnent, ces accords seront vite oubliés. Elle vaut rien du tout, ton offre, là. Kotal Kahn a toujours été juste en affaire avec toi, Kenno. Ouais, c'est vrai. Mais bon, quand même. Des armes améliorées, mes infos, et paf, l'interminable guerre civile. Fini. Ça vaut bien quelques billets de plus, non ? Tu sais où se trouve Milena. Et toute son armée de rebelles. Je dirais que ça vaut bien 50. Nous devons l'attaquer immédiatement. Mettre fin à cette guerre. Elle nous étouffe. C'est un fait. Ouais. Bon, marché conclu. Qu'y a-t-il, Devora ? Que l'empereur ne s'inquiète de rien. Un petit incident. Celle-ci s'en occupe. Faites place à Kotal Kahn! Allez! Les Tarkatan sont en place. Nous attendons ton ordre. Alors j'ordonne, ma chère Tanya. Arrêter un convoi, ce n'est rien. Mais tuer un empereur... Un imposteur. Requiert de la puissance. Ça, tu en as, Milena. Mais tu refuses de t'en servir. L'utiliser, mes douloureux Rain. Il me faut plus de temps. L'imposteur est sorti beaucoup trop tôt. La chance doit savoir se saisir. Peu importe. Si Kano fait ce pourquoi je l'ai payé. Allez ! Maintenant !
Acta Tocnorae. Je te le fais pas dire. Hein? Mensonge. Garde tes 50 millions. Milena m'a offert le double pour t'éliminer. Je suis flattée que tu me reconnaisses, Kwatal. Je n'oublierai jamais ceux qui ont libéré Milena. Elle nous a promis un Edenia libre, quelque chose que tu avais refusé. L'outre-monde doit être uni si nous voulons vaincre nos ennemis. Tant que tu régneras, il ne pourra être uni. Ta rébellion est le seul obstacle. Elle me défie pour la dernière fois. Milena. Kano devait te tuer, misérable serpent. Konate ! Un autre Edenien, le soi-disant demi-dieu. Kogatia ! Je suis le fils d'Argus. Je n'ai pas été proclamé dieu par une bande de rustres superstitieux. Milena se doute sûrement de tes véritables intentions, fils d'Argus. Mes intentions sont de t'apprendre la différence entre Dupuis. Tu ne le toucheras plus jamais. Oh !
Mais moi, si. En tant qu'héritière de mon père Shao Kahn, moi, Milena, Kanoum de l'Outre-Monde, ordonne ton exécution! Quelqu'un sera exécuté aujourd'hui. Ta rébellion va être punie, Milena. Ton sang versé fera justice. En haut de l'escalier, à côté du foyer. Notre empereur. Une petite chatte devenue un jaguar. À la zone de largage, on se sépare. Jackie et moi, on entre par le sud, vous deux par l'ouest. On se retrouve ici, à l'entrée nord. Et ensuite, on le chope et on se fait la malle ? S'il résiste, on l'assomme. Ne va pas t'imaginer qu'il n'opposera aucune résistance. T'inquiète. Tu peux me croire, Sub-Zero ne verra rien venir. Les défenses avant se sont retirées comme convenu, grand maître. C'est confirmé. 4 intrus. Alors allons donc saluer nos invités. Ok, je passe devant. Toi et Jean, par là. Allez! On y va. Jean. Toi, je dois... Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Quelles sont vos intentions ? Grand maître, il faut nous accompagner. Je suis le sergent... Vous me demandez de coopérer, mais vous êtes isolé. Encerclé, qu'allez-vous faire ? Mon père t'a en haute estime, Sub-Zero. Il veut te parler. Parler, toujours son premier recours. Ok, si tu préfères la baston, allez ! Non ! Cassandra Cage, tu diriges ce groupe, mais il ne t'écoute pas. Que ferait ta mère, dis-moi ? Elle te démolirait sans appui. Pas la peine de te relever quand tu tombes. La violence engendre la violence. Ugh!
pouvoir aurait dû t'indiquer mes intentions, Takahashi Takeda. Je suppose que Kenshi t'a appris à les utiliser. Mon père m'a appris beaucoup de choses, grand maître. Voyons ça. Tu n'es pas ton père. Pas encore. Fais chier. Tu as annoncé ton arrivée, Jacqueline Briggs. Experte Briggs. Oui. C'est vrai qu'on aime les titres prestigieux dans ta famille. Si tu connais mon père, tu me connais aussi. Je vous croyais amis. Notre histoire a une sombre conclusion. Plutôt que de railler tes supérieurs. Je m'en souviendrai, pour le jour où j'en croiserai un. Fanfaronner ne te sied guère. Une idée ? Sub-Zero, discutons. Il fallait y penser avant. T'as un autre plan, Cage ? Fallait déjà suivre le premier. Ça va mal aller pour toi si tu nous tues. Oui, c'est fort probable. Chuo, Danjing ! Ça a marché ? C'était un... Un entraînement, oui. Bon Dieu, j'aurais dû m'en douter. Tes amis et toi avaient des qualités, Cassandra Cage. Mais tant que vous ne collaborerez pas, elles ne serviront à rien. Et sinon, elle vous a plu, cette mission ? Les Lin Kuei nous ont défoncés. Toi, peut-être. Y a un paquet d'empreintes de pieds sur ton cul aussi. Ça suffit. En ce qui me concerne, vous avez tous gagné. On a reçu les ordres du général Blade. On a des intrus de l'outre-monde, ici, sur Terre. Une invasion ? Impossible. Vous n'êtes pas inquiet, hein, monsieur Cage ? L'outre-monde ? Ça va, je gère. Bon, ils sont arrivés quand ? Le portail s'est ouvert sur les quais il y a quelques heures. Ils sont presque 5000. Des réfugiés qui fuient la guerre civile. Ça doit être la panique pour qu'ils prennent le risque de venir ici. Après toi. Ne pense plus à ton combat contre les Lin Kuei, fils. Plus facile à dire qu'à faire.
Merci, Kenshi. Vous nous accompagnez, Monsieur Cage et toi. Sergent Cage, que l'équipe reprenne sa position. Voici Limei. Son peuple demande asile dans le royaume Terre. Notre village, Sundo, s'est retrouvé au cœur d'une violente bataille. Nous avons eu de la chance d'en réchapper. Ouais, c'est la guerre. Je veux dire, le prenez pas mal, mais c'est un peu votre seconde nature dans l'Outre-Monde. C'était différent. Les rebelles, Milena, ils avaient une arme inconnue. Des bataillons entiers, anéantis. Ce n'est pas ça le combat. Aucun honneur. Que savez-vous de cette arme ? C'est un talisman, en or, rehaussé d'un joyau. Milena en manipule l'énergie pourpre sans grande précision. C'est plutôt bien, ça. Pas maintenant, Sergent Cage. Ça suffit pourtant amplement. Il retourne le combat en sa faveur. L'Empereur se désespère. Et ceux qui se retrouvent au milieu paient le prix fort. Si ce talisman est bien ce que je pense, nous allons tous le payer. Ça serait l'amulette de Shinnok ? Impossible. La base, la chambre forte, les défenses. Les FS, les Shaolin, personne ne peut passer outre. Je dois m'en assurer. Eh ben, on va bien se marrer. Vous me rappelez un terrien qui s'est joint à nous. Il prend tout avec humour, lui aussi. Un beau gosse, j'imagine. J'ai dit un terrien. Avec un œil rouge. Brillant. De qui elle parle ? Kenshi, occupe-toi de Limei. Moi, je vais au camp des réfugiés. Il faut absolument que je le trouve avant qu'il puisse filer. Je viens avec toi. Va demander au colonel Flax qu'il en ait de la sécurité. Pourquoi ? Pour que je puisse avoir la paix. On vient avec toi ? Non. Je dois vérifier avec Kotal Kahn si Limei dit la vérité. Ton équipe et toi, vous allez dans l'Outre-Monde. C'est marrant, je m'attendais presque à ce que le ciel soit violet, en fait. Faut pas croire tout ce qu'on lit sur le net. D'où tu sors toute ta science ? Les archives Shaolin. J'ai beaucoup étudié l'Outre-Monde. Rien ne remplace l'expérience. Alors pourquoi c'est toi la chef ? Ça suffit. Concentre-nous sur la mission. Limei dit la vérité, c'est sûr. Une invasion enfreindrait les accords de Rico. Venant de l'Outre-Monde, y a pas de quoi être étonné. Mais s'ils sont nos alliés, pourquoi nous ont-ils pas aidés pendant la guerre contre le Nether ? Contre Quan Chi et son armée de... De revenants ? Comme le père de Jackie ? Enfoiré. Ce n'est pas une alliance, mais un pacte de non-agression. L'Outre-Monde n'est pas notre allié. Tu ferais bien de ne pas le crier trop fort, vu l'endroit où tu te trouves. Que venez-vous faire ici ? Donnez-nous une bonne raison de ne pas vous tuer. Je lis en toi. Tu n'es pas de l'Outre-Monde. Je viens de la Terre, comme toi. Celui qui m'emploie à Kotal Kahn vient de l'Outre-Monde. Et de fait, j'en suis aussi. Qu'est-ce que vous faites là ? Nous sommes des émissaires. Nous voulons parler à Kotal Kahn. Regarde, nous avons le sceau officiel de Raiden. Ce genre de babiole s'achète n'importe où par ici. Écoute, tu peux nous arrêter, nous tuer même. Mais si on dit la vérité, tu peux dire adieu à ta prime. Ou pire. Emmène-nous voir le Khan. Je lui dirai que tu nous as battus. T'auras peut-être droit à un bonus. C'est tout bénef. Suivez-moi. En ces temps de guerre, nous devons considérer toutes les ressources comme des armes pouvant être réquisitionnées par l'Empereur. En utiliser sans son autorisation revient à voler Kotal Kahn lui-même. De fait, votre culpabilité ayant été établie, vous êtes condamné à mort. J'avais faim. La sentence sera exécutée immédiatement. La mort ? Pour un simple vol ? N'oubliez pas où vous êtes. Jean ? Ah !
Dégage de là. Allez. Je savais que je n'aurais pas dû vous écouter. Une leçon de confiance. Par un mercenaire. Tu voulais des leçons, en voilà une bonne. Demander un poney comme toutes les petites filles. Il n'y avait aucune mention de symbiote dans les archives. Mais c'est sa porte ! J'aurais bien fait plus ample connaissance, mais t'es complètement givré. Tout le monde va bien ? Les jeunes terriens, hein ? Celle-ci doit s'habituer à vos techniques diplomatiques. Nous venons voir Kotal Kahn. Le général Blake... S'ingérer dans les affaires de l'outre-monde est puni de mort. Pourquoi ça ne m'étonne pas? Mais, et ce, en vertu des accords de Reiko? Nous allons consulter l'Empereur. Vous l'attendrez ici. Tu peux profiter de cette occasion pour nous expliquer ce qui t'est passé par la tête? Pourquoi risquer une guerre inter-royaume pour un voleur de pain? Parce que les voleurs ne sont pas tous des criminels. La valeur de cet objet est plus sentimentale qu'autre chose. Cela dit, j'aurais aimé que tu t'abstiennes de le voler.
C'est un héritage familial, un objet que tu n'aurais jamais dû posséder. Ta famille m'a fait l'honneur de m'offrir ce souvenir de ton cousin Lao, après sa mort. Donc tu es la cause! Tu lui as fait affronter Shao Kahn! Et tu n'as rien fait quand cette ordure l'a achevée! Tu vas trop loin, Kun Jin. Non, pas assez loin. Sang de Kung Lao, descendant du grand Kung Lao, un vulgaire voleur. Croyais-tu pouvoir entrer ainsi dans mon temple et en ressortir sans que j'intervienne? Tu voulais que je t'attaque? Pourquoi? Pour que tu entendes raison et qu'enfin tu libères ta colère. Et pour me rabaisser, ouais. Te dévaloriser a toujours été une composante de ta personnalité. Une voix plus illustre s'offre à toi. Une voix qui te permettra d'honorer tes ancêtres. Une voix digne de toi. Rends-toi à l'Académie Wuxi. Intègre les Shaolin, comme Kung Lao avant toi. Je ne peux. Ils ne voudront pas. Ce qui leur importe, c'est ce que tu as dans le cœur, et non ce que ton cœur désire. C'est trop tard pour moi. Il n'est jamais trop tard, Kun Jin. Cette affaire de réfugié est ennuyante. Je ne savais rien de cet exode vers le Royaume Terre. Mais je sais une chose. Je ne veux pas de terriens ici. Surtout pas des terriens venus troubler le cours de notre justice. Qui me dit que vous n'êtes pas des alliés de Milena? Ses nouveaux pouvoirs pourraient lui avoir attiré de nouveaux amis. Des amis? Non. Non, on n'est même pas sûr que c'est bien l'amulette de Shinnok Milena qu'elle a... Milena utilise l'amulette de Shinnok contre moi. Celle-là même que le Royaume Terre a juré de protéger. Et alors que l'Outre-Monde n'a reçu aucun soutien... C'est nous qui sommes attaqués, pas l'Outre-Monde. Kotal Kahn, le feu qui brûle le soleil. Nous sommes là car nous partageons ton inquiétude à propos de l'amulette. Nous ne cherchons aucunement à te nuire. Ah, voilà une surprise. Un terrien capable de diplomatie. Et pourtant, à ce qu'on dit chez vous, les voleurs ont plus d'honneur que les diplomates. J'ai eu la chance ou la malchance d'être les deux, empereur. Et je te dis la vérité. Vous êtes des alliés de Milena. Tu peux appliquer la sentence. Kotal Kahn, selon les lois de l'Outre-Monde, je demande le droit de me défendre. Par combat. Quoi? Tu vas te battre en duel? Pour nous blanchir de ces accusations. Tout accusateur qui refuse le défi se couvre d'opprobre. Tu connais bien nos coutumes. N'oublie pas que c'est un duel à mort. Tu n'as rien gagné, ou à peine quelques instants de sursis. Empereur, je révoque mes accusations. Que tous m'entendent. Ce groupe de terriens ne vient pas en ennemi. Maintenant, tue-moi, qu'on en finisse. Tu ne vas quand même pas...
Plutôt que ta vie, je demande ton aide. Si Milena a vraiment l'amulette, nous la lui reprendrons plus facilement en coopérant. Empereur, on ne peut leur faire confiance. Dévora, ne le comprends-tu donc pas? Je leur suis redevable. Tu nous honores, Kotal Kahn. Notre gratitude est plus vaste que les océans. Je parlerai au général Blade. Je lui expliquerai notre nouvel accord. Merci pour l'info, sergent. Restez avec Kotal Kahn. Et nous, on décidera de la suite quand on aura capturé Kenno. Bien, madame. Terminé. Il est toujours là. Je le sens. Dites-moi. C'est une réfugiée. On l'a trouvée près de l'enceinte nord. Égorgée par Kenno, je suppose. Informez-en l'email. Dites-lui qu'on mène l'enquête. Raiden, du nouveau? L'amulette de Shinnok a été volée, remplacée par une imitation parfaite. Et merde. Il y a un problème. T'envirais-tu des cas? Raiden? Raiden! Lieutenant, il faut que vous emmeniez une équipe à Fort Charles. Confirmez-moi que Raiden va bien. Qu'est-ce qui se passe? Qu'a dit le colonel Flagg? Il m'a dit « Pourquoi vous m'emmerdez ?» Et j'ai répondu « Parce que mon ex est la reine des chieuses. » Hé, où tu vas? Tu peux pas partir comme ça. Je suis sur le coup, moi aussi. C'est pas moi qui décide. Remercie ton copain, le secrétaire Blake. Voilà. C'est pour ça que ça a pas marché, nous deux. Y'a que ton boulot qui compte. Jamais de temps pour Cassie et moi. J'avais des responsabilités. Désolée de pas avoir fait ma vie en fonction de toi, Johnny. Il fut un temps où ta famille comptait beaucoup plus que ton taf, mon général. RS, pas de vilain sorcier dans les parages. Tu peux être sérieux deux minutes. Quan Chi pourrait faire le ménage dans sa piole. C'est déjà mieux que chez toi. T'es en train de me comparer à Quan Chi? Seulement en termes de propreté. Qu'est-ce que c'est? Je ferai pas ça. Oh, allez! Où est ton sens de... l'aventure? Tu cherches de l'aventure? Je vais t'en donner. Feu! Oh, je suis fort! Allez là! Je n'ai pas besoin de vos soldats. Mais Monsieur Cage et toi me seraient bien utiles quand vous serez morts. J'ai pas envie de faire ça, Jax. Tu sais pas quand t'arrêter, toi. Pas aussi fort que ça. Quan Chi?
Tu as perdu. Un contretemps, Miss Blade. Vous n'échapperez pas à l'inévitable. Johnny! Tu ne resteras pas mort longtemps. Là, tu vas dérouiller. Désolé, Jax. Je vais te sortir de là. T'inquiète, ça va aller. Je sais pas. Le sang... est à l'intérieur. Enfin, normalement. Raiden! Il faut que j'annule le sort. Chata, Amalako, Estaltika, Marfensika, Chata, Amalega, Essensalta, Marfenta. Tu ne peux pas le sauver. Tu es faible, dieu du tonnerre. Johnny Cage est à moi. Non, il est à moi. Sauve-le. Je m'occupe de cette ordure. Encore. T'as pas eu ce que tu méritais. Sonya Blade, le lien avec Quan Chi n'est pas complètement rompu. Pas de problème. Narala Fetta. Les autres sont revenus parmi les vivants. En associant la magie noire de Quan Chi à la mienne, je suis parvenu à restaurer leurs âmes. Euh,
Il va s'en sortir. Attends, je t'avais pas dit. C'est un dieu. Tu m'as fait une de ces peurs. Quand je pense qu'on n'a pas voulu de moi pour des films d'horreur... Il est parti? Comment il a? Il faut qu'on l'attrape. Ça peut attendre. Le plus urgent, c'est de vous ramener, toi et les autres, au Royaume Terre. Pourquoi ça prend autant de temps? Non. Réem Adou Kairé. Merci. Ok. Vous avez l'air de le connaître intimement, ce canot. C'est pas le mot que j'aurais choisi, mais oui. Je l'ai longtemps traqué jusqu'à ce qu'il trouve refuge dans l'Outre-Monde après l'invasion de Shinnok. Pourquoi est-il revenu? Ce qui compte, c'est qu'il soit... capturé. C'est compris. Es-tu perdu? Salut, beauté. Ça fait longtemps. Pas suffisamment. Ici le général Blade. Envoyez-moi des renforts immédiatement. Oh, réglons ça entre amis. Écoute, ma liberté contre une info. Je ne négocie pas avec les raclures. Je vois. Si maman n'est pas joueuse, sa fifille acceptera peut-être. Si tu touches... Renonce, et tout ira bien. Mais si tu m'énerves, Cassie fera connaissance avec tonton Keno. Je vais tuer sa fumier. Débarrasse-moi le plancher. Non, j'en ai pas fini avec toi. Ok. Ok. Lâche-moi. Sonia, calme-toi. Si tu me tues, il n'en verra jamais. Amulette. Sonia, il nous faut cette info. Sonia, ne fais pas quelque chose que tu pourrais regretter. Parle! La jungle Kwatan? Et au moins deux escadrons de Tarkatan. Toujours en mouvement pour éviter d'être repérés. C'est pas loin. 200 km au plus. Vous savez quoi faire. Bien, madame. Bonne chance. Terminé. De nouvelles informations? De la Terre? Keno a parlé. Il a révélé l'endroit où se cache Milena. Elle détient l'amulette, mais dispose aussi d'une excellente défense. Il faut frapper immédiatement. Je propose une double approche. L'armée attaquera Milena pour la distraire. Et celle-ci reprendra l'amulette. Pas toute seule. Celle-ci t'accompagne. La discrétion est primordiale. C'est moi qui décide. Tu pourras participer à la tâche. Déborah, nous acceptons cette requête. Je vais enfin être débarrassé de Milena. Celle-ci comprend bien le raisonnement, mais n'aboutit pas à la même conclusion. Comme d'autres, celle-ci n'est pas satisfaite que Milena soit Kanoum. Mais il n'est pas sûr que ton action réussisse. C'est pour ça que j'ai invité notre ami Zateran.
Écoutez et suivez-nous. Je sais des choses sur Milena. Son règne troublé s'achèvera bientôt et ouvrira la voie à Coatal. Et quelles sont ces choses qui causeraient... Oh, les voilà. Trois de tes conseillers chuchotant comme des écolières. Je me demande à quel sujet. Si seulement tu écoutais nos conseils. La guerre avec le Nether se précise. Nous devons nous allier à la Terre. Je te l'ai dit, je préférerais mourir que de traiter avec les assassins de mon père. Tu refuses de faire le nécessaire face à cette menace. Tu mets le royaume en danger. La rébellion ne le fait-elle pas ? Réponds-moi, avant que je t'arrache la langue. Tu n'es pas l'héritière de Shao Kahn. C'est une artificielle, fabriquée dans les mines de chair de Chen Song. Je l'ai vu. Ta présence sur le trône est illégitime. Comment oses-tu ? Shao Kahn m'a désigné pour lui succéder. Tu lui as succédé, mais l'outre-monde réclame un nouveau chef. Comme toi ? Vermine Ostek ? Tue-le ! Celle-ci ne sert plus Milena désormais. Tu vas défendre ton impératrice. Notre créateur Shao Kahn n'est plus. Nous servirons qui nous voudrons. Tu continues de suivre Milena ? Shao Kahn a conquis mon royaume. Je lui dois ma loyauté. J'honore sa volonté. Mort. Ton dernier allié t'a quitté. Emmenez-la. Nous servirons le nouveau chef de l'outre-monde. Tu serviras Kotal Kahn. Là. Va trouver Tanya. Elle est dans sa tente. Vite. Tu viens te rendre, traîtresse ? Tu parles de trahison ? Celle-ci sait que tu convoites le trône. Pourquoi servir Milena ? Je la conseille. Le vol de l'amulette était mon coup de génie. Elle meurt un peu chaque fois qu'elle l'utilise. Kotal et elle perdent des forces. Et ta puissance grandit. Tu as tout compris. Malheureusement, tu ne me verras pas triompher.
Sans ton amie, Déborah? Ton peuple pense que nous avons évité votre île par respect pour votre nature solitaire. En vrai, on ne vous aime pas. Les Kytines aiment la solitude, et je pourrai en profiter très bientôt. Deux Edéniens vont maintenant mourir. Je sais bien que ce ne sont pas tes amis, mais je refuse que tu les tues. Et sinon, ma tête va bien, merci. À ta guise, allons-y. Reste derrière. Waouh, ça fait bizarre, ça. Déborah ! T'as pas ! Ouais. Celle-ci savait que tu ne t'éloignerais pas de l'amulette. Tu m'as pris mon trône, et tu comptes me voler ce qui me permettra de le reprendre ? Aucun ne t'était destiné ! Tais-toi, vermine ! Je vais prendre ce qui t'appartient. Ta vie ! Jouis de ta mort prochaine. Assez de bavardage. Achève-moi, que je rejoigne mon père. Tu ne mérites pas de mourir par la main d'un empereur. Je laisse donc cet honneur à mon valeureux premier ministre. La rébellion est écrasée. Eh ben, super, merci. J'ai perdu l'appétit pour de bon. Eh bien, nous allons rentrer dans le royaume Terre et remettre l'amulette à sa place. Mais qu'est-ce que tu fais ? Les Terriens ne sont pas capables de protéger l'amulette. Elle reste donc avec moi. Les accords de Reiko t'obligent à... Ces accords ne me concernent plus. Vous me serez peut-être utile le jour où Raiden viendra. Celle-ci les a trompés. Kotal Kahn a conservé l'amulette. Tu peux lui reprendre ? Il refuse catégoriquement de la confier à quiconque.
Ta présence auprès du trône de l'Outre-Monde se révèle aujourd'hui fort utile, Tevora. Ils n'ont jamais soupçonné l'une des leurs d'être la disciple de notre Seigneur. Celle-ci vit pour servir Shinnok. Je suis content de toi. Apporte-moi l'amulette. Sur le champ, Quan Chi. Maître. Des nouvelles de l'autre monde. Shinnok sera bientôt libre. Rejoignons ma forteresse. Il y a un problème ? Il y a deux problèmes. Ta femme m'a dit où tu te trouvais. Vous avez bien discuté, Vera et toi ? Comme toujours. C'est un national ? J'en ai jamais vu un comme... Tu n'es pas venu parler de machines agricoles. Ok. J'irai droit au but. J'ai besoin de ton aide. Ah oui ? Je sais, j'ai aucun droit de... Tu savais ce que je voulais. Jackie a fait son choix. Elle est venue me voir. Je sais. Écoute, je sais pourquoi tu voulais pas qu'elle s'engage. Et pourquoi t'es parti. J'avoue, si je devais vivre avec le souvenir d'avoir été un sbire de Quan Chi, je me serais tiré une balle depuis belle lurette. Tu connais Vera. Elle ne m'aurait jamais laissé faire. Bon, alors t'as besoin de moi pourquoi? Les réfugiés de l'Outre-Monde? Pire. L'amulette de Shinnok, c'est Milena qui l'a. Merde. Et d'après ce que nous a dit Sarena, Quan Chi a refait surface dans le Nether. Le mec se pointe au bout de 25 ans, au même moment que l'amulette de Shinnok. C'est tout sauf une coïncidence. C'est pour ça que j'ai besoin de toi, pour tes connaissances sur Quan Chi. Tu serais là en tant qu'observateur, pas sur le terrain. Cage. Jax. Qu'est-ce que tu veux ? Je voulais voir si peut-être... Tu pourrais faire pencher la balance ? Parce que t'as été vachement utile la dernière fois. Au moins j'aurais essayé, non ? On a besoin de toi, Jax, pour capturer Quan Chi. Je donne pas cher de notre peau s'il récupère l'amulette. Et Jackie, c'est quoi son rôle là-dedans ? L'Outre-Monde. Son équipe cherche à reprendre l'amulette. T'inquiète pas. Il devrait pas tarder à nous confirmer que c'est fait. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ils vont nous tuer ? Non, sinon ils l'auraient déjà fait. Sauf si Kotal Kahn a l'intention de nous inviter au Colisée. S'il ne nous tue pas, ma mère s'en chargera. Moi, en tout cas. Dur d'être la fille du général ? Ah, t'imagines même pas. Oh, mais si. L'un de mes ancêtres ou quoi, je sais plus lequel, a battu Shang Tsung et a sauvé la Terre. Je sais pas combien de fois j'ai dû écouter cette histoire au repas de famille. C'était il y a 600 ans. Et pourtant, on pourrait croire que c'était hier. T'as la pression, quoi. Je m'entraîne depuis toujours. Je peux me sortir de toutes les situations. Mais j'ai jamais l'impression d'être à la hauteur. Au moins, t'as grandi avec des gens qui croyaient en toi.
Je vous croyais super proche, toi et ton père. Ouais, mais seulement depuis qu'il est revenu. Ça, je connais. Comment t'as vécu ça, Jackie? D'avoir un ex-revenant pour père? Jean. Je rigole pas. Ça a pas dû être facile. On va dire qu'il était un peu trop protecteur. Quand j'ai intégré les FS, Monsieur Cage a tenu à l'annoncer lui-même à mon père. Il s'est dit que ça passerait mieux. Ce jour-là, je l'oublierai jamais. Mon père est rentré avec la mâchoire brisée. Ok, j'ai trouvé. T'as trouvé quoi exactement? T'inquiète. Écartez-vous des grilles! Comment t'as fait ça? J'ai submergé ses sens. Ça marche qu'à faible distance. Ça a ses avantages d'être le fils d'un télépathe. J'ai pas toujours eu ce sentiment. Maintenant, te voilà, Chuchin. C'est un honneur, Maître Asashi. En tant que Chuchin, comment puis-je servir le clan? Ton avenir n'est pas avec les Shirai Ryu. Mais le clan est ma famille. Quand je t'ai accueilli, j'ai promis à ton père... Je n'ai pas de père. Tu en as un, et il est fier de toi. Ta progression est fulgurante. Tu savais qu'il viendrait, et tu ne m'as rien dit. En effet, car je me doutais de ta réaction. Takeda, ton père n'est pas ton ennemi. 10 ans. Aucune visite, rien. Tu m'as abandonné. Je ne t'ai pas abandonné. J'avais 8 ans. Ma mère venait de mourir. Et voilà que tu reviens, en pensant que tu peux jouer au père fier de son fils? Fils, je... Va en enfer! Je ne suis pas ton fils! Relève-toi. Je veux te faire mordre la poussière à nouveau. Takeda, assez! Kenshi ne t'a pas abandonné. Il t'a amené ici pour te protéger. Me protéger de quoi? De ceux qui ont tué ta mère. Elle...
Elle est morte dans un accident. Ça, c'est ce que j'ai demandé à Maître Asashi de te dire. En réalité, elle a été tuée par les assassins du Dragon Rouge. J'étais leur cible. Elle a été leur victime. Espèce d'enfoiré, c'était ta faute! Ton père a voué sa vie à combattre des barbares comme les membres du Dragon Rouge. Ce sont eux qui n'ont aucun honneur. Tu n'aurais pas dû me cacher la vérité. Tu serais parti à leur recherche sans y être préparé. Je ne pouvais pas prendre ce risque. Maître Asashi t'a transformé en excellent guerrier. Il est temps désormais de parfaire ta formation. Comment tu as fait ça? Nous sommes télépathes. C'est de famille. Je peux lire les pensées? Grâce à l'entraînement, nous ferons éclore ton potentiel. Et nous irons ensuite traquer le Dragon Rouge. Ensemble. C'est l'œuvre de Devora. Ça ne fait aucun doute. Elle seule peut engendrer de telles blessures. Cette Devora est pleine de surprises. Reste à savoir si elle travaille vraiment seule. Qu'est-ce qu'il y a? Merde, on est repérés. Les amis, formation à losange. Takeda, t'es devant. Jackie, tu couvres l'arrière. Kung Jin, le haut. Compris. Les terriens. Devora les a libérés. Nategasu! Une fois rentré, faut que tu m'apprennes ce truc. Ok. Occupe-toi d'Ermac. J'ai trouvé. Tu crois pouvoir me battre seul? Tu es courageux ou complètement fou? Courageux et fou, et vivant. Voyons ce qu'il y a là-dedans.
tous ces esprits, emprisonnés. Nous vivons pour servir, liés par la magie de Shao Kahn. Le chaos et les voix. Nous sommes innombrables. Tu es seul. Ton pouvoir n'est rien face à nous. J'en ai marre de l'autre monde. Je comprends pourquoi mon père a tout lâché. Il faut qu'on trouve Devora, qu'on prenne l'amulette. Allons-y, ils vont vite s'en remettre. Devora. Et les Terriens ? Elle a volé l'amulette et les a aidés à s'échapper. Elle nous a trahis pour le dieu du tonnerre. Tu me déçois, Devora. Prévenez les légions. Nous partons pour la terre. Nous allons récupérer l'amulette de ce vil Raiden. On est tous entiers, et personne ne nous suit. Vous avez pu voir par où Devora est partie ? On pense qu'elle se dirige vers la mer de sang. Fais chier. Papa ? Elle rejoint Quan Chi, par ici. Il y a un portail secret près de la mer de sang. Quan Chi l'avait fait construire quand on s'apprêtait à envahir l'Outre-Monde. Super. Papa, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que tu fais dans le Nether ? C'est toi qui cherches à me surprotéger, maintenant ? Je sais que tu crois que t'as des choses à rattraper, mais... Je fais ça pour Sonia. Elle a besoin de moi. C'est pour ça que je m'inquiète. Ne t'en fais pas. Et fais attention à toi. Toi aussi, fais attention. Je t'aime. Terminé. Terminé. Tu te sens mieux ? Ou pire ? Je sais pas. Les deux, peut-être. Tout ira bien. Je me demande s'il en sera de même pour moi. On a un bon angle de tir, mais... Pourquoi Quan Chi n'utilise pas la magie pour se déplacer ? Il semblerait que ses pouvoirs soient amoindris. Il est plus faible que lorsque j'étais... à son service. Sarena a raison. Il n'a pas Shinnok comme source d'énergie. Mais il reste puissant. Je sais que tu as un rôle d'observateur, mais n'hésite pas à prendre part à l'action si tu veux. Je suis trop rouillé. Je ne veux pas mettre la mission en péril. Il approche. Allez! T'en mêle pas, Jackson Briggs. Retourne te planquer. C'est vrai. C'est ce que j'ai fait. Gotcha!
Voilà chez toi. Cet enfer, ça n'est pas chez moi. Alors pourquoi être revenu dans ce cas? J'ai une famille à protéger. Grâce à Quan Chi, j'ai retrouvé la mienne. Il en sera de même pour toi. Gotcha! Il est possible d'échapper à Quan Chi, Kitana. Je peux t'aider, comme Bian m'a aidé. Tu es devenu trop proche de Bian. Tes sentiments t'ont corrompu. Mes sentiments m'ont libéré. Je ne te comprends pas, Kitana. Moi, ce que je fais ici me répugne, mais toi, tu aimes ta nature de revenante. Elle me convient. Je ne suis plus une victime. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais ce n'est pas le bon moyen de t'affirmer. Plus de blessés. Et nos amis? Ils ont senti le vent tourner. Ils ont filé. Et vous deux, ça va? Ça va. C'est ce que je pensais. Où est-ce que tu vas? Eh bien, je vais me faire un sorcier. Tout seul. Tu mourras. Ça serait pas la première fois. Tu es affaibli. Parviendras-tu quand même à libérer Shinnok? Ne t'en fais pas, j'y arriverai. Et Devorah, tu penses qu'elle accomplira sa mission? Devorah m'apportera l'amulette. Et je serai là pour lui prendre. Jackson Briggs, quelle bonne surprise. Bonne, c'est pas le mot, non? Tu as donc rejoint Raiden? Tu n'as vraiment aucun jugement. Il a fait ce qu'il a pu. Il a sauvé la Terre. Il m'a tué! C'est pas vrai. Tu n'y étais pas! Il m'a tout pris! Tout! Tu ne mérites pas de revenir. Tu vas comprendre. Qu'il existe pire que la mort. Et ton cerveau. Gotcha!
J'aimerais pouvoir t'aider, Liu Kang. Jax, c'est inutile. Silence, Quan-Chi. C'est bon de revenir. Kenshi, c'est bon. Au boulot, Jax. Je reste là. Devora ne va pas tarder. Toi, amène Quan-Chi à Sonia. Elle va le cuisiner un peu. Assis. Je crois que c'est pas la première fois que t'as des menottes. T'aimes ça, hein? Faites savoir au secrétaire Blake que nous avons Quan-Chi. Il sera transféré dans l'heure au complexe très haute sécurité de Fort Charles. Bien, madame. Vous deux montez la garde. Le transfert aura lieu dans 20 minutes. Oh, pour le babysitting, madame me fait confiance. Cage, je vous écoute. Nous n'avons pas rattrapé Devora. La piste nous a menés jusqu'aux falaises de Makeba où nous l'avons perdue. Merde. D'après Jackie, la constitution unique de Devora peut nous permettre de la retrouver. Elle modifie son communicateur pour identifier les phéromones. Je donne l'ordre. Combien de temps ? On blesse, on ne tue pas. Elle en a pour 2 heures ? Sergent, vous n'avez pas 2 heures devant vous. Trouvez Devora immédiatement. Sonia ! Cassie, j'apprécie ce que vous essayez de faire. Mais on n'a vraiment pas le temps. Ramène ton équipe, il faut qu'on se regroupe et qu'on se redéploie. Bien, madame. Ils font de leur mieux, tu sais. Je sais. Général, on a de la visite. Vous êtes amis, non? Il t'a dit qu'il venait. Non. Général. Maître Asashi, personne ne m'a prévenu de ton arrivée. Je veux Quan-Chi. Nous maîtrisons la situation. Tu Il peux... Il doit mourir. Raiden a besoin de lui. Sans Quan-Chi, nous ne pourrons pas faire revenir Liu Kang et les autres revenants. Tu les abandonnerais? Tu étais l'un d'eux. Seul m'importe Quan-Chi. Ne fais pas ça, Hanzo. Ou alors je t'arrêterai. Nous sommes donc dans une impasse. C'est mes roues ! Quan-Chi m'appartient. Appelle tes hommes, Hanzo! Si notre amitié compte pour quelque chose, tu dois me livrer Quan-Chi. Renonce. Sans Sento, tu es vulnérable. Comme au bon vieux temps. Dernière prise. Ah.
Seule la mort de Quan Chi apaisera ma colère. Hanzo, non! Tu as bâti la renommée des Shirai Ryu. Ne réduis pas ça à néant en tuant un sorcier affaibli. Ce sorcier affaibli est l'architecte de mes souffrances. Maître Asashi, je suis heureux de te voir. Va droit au but. Je ne tiens pas à m'attarder ici. Reforme les Shirai Ryu, et je ferai de même avec les Lin Kuei. Nous voulons tous deux effacer les erreurs de nos clans. Nous consacrer à la protection du royaume Terre. Ce but commun est l'occasion pour nous de prendre un nouveau départ, sans rivalité. Tu admets ce que tu as toujours nié, que ton clan est souillé du sang des Shirai Ryu, du sang de ma famille. Notre honneur est en effet entaché. Je t'en prie, assieds-toi. Lorsque toi et moi avons été libérés du joug de Quan Chi, j'ai cherché mon clan. J'espérais qu'une rébellion intestine aurait anéanti les plans du Grand Maître. Mais Sector avait réalisé la vision de son père. Les Lin Kuei étaient devenus des cyber-guerriers. J'ai fait le serment d'abattre Sector et ses fidèles, de reformer les Lin Kuei et de laver notre honneur. Les affaires des Lin Kuei ne m'intéressent pas, Sub-Zero. Quand j'ai enfin tué Sector, j'ai découvert que l'honneur des Lin Kuei n'avait pas disparu avec la cyber-initiative. Nous l'avions oublié bien avant. La paix ne se fera pas, Scorpion! Frost, l'honneur des Lin Kuei n'existe pas. Maître Asashi, attends! Quoi donc? Une autre trahison? J'aurai ta tête! Notre histoire s'arrête ici, Sub-Zero. Qu'est-ce qui se passe? Je ne cherche pas à te trahir. Frost est puissante, mais manque de jugement. Elle ne voit pas la sagesse de la paix. Je m'occuperai d'elle. Tu parlais de l'honneur perdu des Lin Kuei. Longtemps, j'ai cru que tu avais injustement accusé les Lin Kuei d'avoir décimé ta famille et ton clan. Mais les cyber-souvenirs de Sector m'ont révélé la vérité. Les Lin Kuei doivent honorer leurs engagements, Sector. Le Grand Maître a donné sa parole à Shinnok. Les mots de Shinnok ne sont que mensonges, comme les tiens. Je t'ordonne de payer. J'ai exterminé les Shirai Ryu, comme promis. Hanzo Asashi vit toujours. C'est ton spectre, Scorpion. J'ai créé Scorpion grâce à l'âme d'Asashi après sa mort. Le marché est respecté. En théorie seulement. Je ne te dois rien. Naomi... Satoshi...
Si j'avais su la responsabilité de mon clan dans l'extinction des Shira et Ryu, notre histoire aurait été différente. J'ai tué ton frère, car je croyais qu'il... Quan Chi est responsable de la mort de Bian. Sector se trompait. Il existe bien une dette, et Quan Chi va s'en acquitter. Détachez-le. Scorpion. On peut... Mon nom est Hanzo Asashi. Tu as tué ma femme. Et mon fils. Tu t'es ensuite introduit dans mon esprit. Tu m'as trompé, aveuglé, volé l'unique chance de revoir les miens. Ta famille... J'ai... Silence, sorcier. Rien ne peut plus t'aider. Je commence à me lasser. Enfin, tu ressens ma douleur. Scorpion, stop! Quan Chi! Le sang pour le sang. Ta dette est payée. Celle-ci salue le seigneur Shinnok. Quan Chi a bien choisi ses disciples. Me faire réapparaître sur Terre derrière leur défense était judicieux. Quan Chi les a bernés. Il s'est laissé capturer. Il savait qu'il le mènerait ici. Quel dommage qu'il ne soit plus là pour voir son œuvre achevée. Tu ne me surprendras pas, Johnny Cage. Amenez-le. Gloire au seigneur Shinnok. Mettons-nous en route. La Terre a envoyé des forces dans le Nether. Je sais. Elles seront neutralisées. Oh merde.
Maman. Où est papa? Shinnok. Maman, maman, où sont-ils partis? Maman! Ton père... prisonnier de Shinnok... au temple céleste... Raiden. Raiden, mon vieil ami. Maître Boraicho, je suis heureux de te voir. Cela fait bien trop longtemps. Bien trop, oui, bien trop. Entre vétérans, il faut s'épauler, hein? Assurément. J'imagine que ce sont les événements récents qui ont hâté ta venue ici. Oui, oui. Le retour possible de Shinnok m'inquiète. J'ai essayé de te contacter. J'ai craint le pire. Quand Kano s'est emparé de l'amulette de Shinnok, il a laissé un piège. J'ai dû parcourir nombre d'étranges royaumes pour le neutraliser. Je dois me retirer dans la chambre de Jinsei pour restaurer mes forces. Et tu penses la récupérer bientôt, l'amulette de Shinnok? J'aimerais le savoir. Désactiver le piège de Kano m'a complètement épuisé. Quand j'aurai repris des forces, je parlerai avec le général Blade. Ah, si seulement nous avions détruit Shinnok lors de la dernière guerre. Si seulement il était mortel. Comme c'est beau. J'ai l'impression de contempler les dieux anciens. Je continue d'espérer que nous pourrons inverser l'issue de cette crise. Comment ? Vois-tu, Quan Chi retient les âmes de nombreux êtres qui nous sont chers. Capturons-le, nous pourrons le forcer à les libérer. Et retrouver Liu Kang et Kung Lao. C'est sans doute possible, oui. Mais tant que Quan Chi reste en vie... J'ai longtemps déploré la perte de nos camarades emportés par les démons du Nether. Kung Lao et Liu Kang, des fils pour moi. Je bouleverserai jusqu'aux cieux pour les ramener à la vie. Maître Bo Raicho avait raison. Les maîtres Shaolin sont à bord du vaisseau. Il devrait y avoir deux vaisseaux. L'autre est déjà parti. Nous devons identifier sa destination. Ils parleront. Je m'en assurerai. Pas de violence inutile, Kung Lao. Ils ont attaqué l'Académie Wuxi, tué Maître Wen. Même pour les Tarkatan, certaines limites ne doivent pas être franchies. Bien, Seigneur Raiden. Pourquoi Shao Kahn a-t-il jugé bon d'ordonner une attaque aussi audacieuse? Il voulait prouver la vulnérabilité du Royaume Terre. Il savait que nous n'aurions pas d'autre choix que d'accepter un nouveau tournoi. Liu Kang a vaincu Chang Tsung. Il battra Shao Kahn. En temps voulu, Kung Lao. D'abord libérons les Shaolin. Ils sont tous à bord. Celle-ci va suivre le courant. Nous sommes prêts. Shao Kahn exige qu'aucun mal ne soit fait aux otages. Leurs blessures sont mineures. Je l'espère, Baraka. Pour ton bien. Pour le tien également. En cas de problème, tu le regretteras. Arc-toi ! Les Tarkatan sont donc si peu coriaces. Et Baraku, je ne te crains pas, Raiden. Tu ne vivras pas jusqu'au tournoi. Ah.
c'est sans gloire que tu rentreras dans les plaines. Écarte-toi. Quelle puissance! Qu'es-tu, Raiden? Je suis vérité et lumière. Je protège la Terre. Celle-ci se moque de la Terre. Ils ne vénèrent aucun dieu. Quand un dieu parle, écoute-le. Je n'ai pas été impressionné. Beaucoup de bruit pour rien. Libérons les âmes prisonnières du vaisseau. Tu te mettras ensuite en quête de l'autre. Où iras-tu, Seigneur Raiden ? Le tournoi va bientôt commencer. Rejoignez-moi dès que possible. Nous réussirons, Seigneur Raiden. De ça, j'en suis sûr. Borracho! Encore un de tes alliés qui ploie devant moi. À sa mort, je prendrai son âme. Tu ne connais pas son pouvoir. Son âme ne peut pas être asservie. Devons-nous le tuer, Seigneur Shinnok ? Pas encore. Je veux qu'il soit là quand je prendrai son royaume. J'en ferai alors mon prisonnier, comme je fus jadis le sien. Tu cries victoire un peu trop vite, à mon avis. J'ai déjà gagné, Raiden. Assez! Je sers Shinnok et le Nether. Parce que Shao Kahn t'a tué. Et tu l'as laissé faire. Mais moi, je provoquerai ta chute. Tu méritais un destin plus heureux.
n'est pas ta destinée, Liu Kang. Encore tes visions, Raiden? Vois-tu toujours le futur? Il n'y a plus de vision, mais je sais ce qui doit être. C'est ta main qui m'a mené ici. Un accident, que je me reproche chaque jour. Je devrais te remercier. Tu m'as libéré. C'est Dieu que tu sers aveuglément. J'aiderai Shinnok à les annihiler. Je regrette que nous en soyons arrivés là. Profanera pas le Jinsei, Shinnok. Notre combat dure depuis trop longtemps. Il s'achève, enfin. Maintenant, d'autres viendront pour te battre. Atterrissage dans 15 minutes. Nous entrerons dans le temple céleste par l'accès terrestre. Pourquoi on n'y va pas directement? Il fait partie d'un autre état quantique, en léger décalage avec notre réalité. Impossible d'y accéder d'une autre façon. Quoi? On est tout seul. Personne viendra nous aider. Soit on réussit, soit... On va réussir. La vache! C'est quoi ça? Je sais pas, mais ça se dirige droit sur nous. Que les dieux anciens nous protègent. Accrochez-vous bien, ça va secouer. L'entrée devrait être à 15 km dans cette direction. Une balade nocturne en forêt. En d'autres circonstances, ça aurait pu être sympa. Je t'aurais pas cru branché nature. Avec ma mère, on vivait près d'une forêt comme ça. Ça me rappelle des trucs. Quand la mission sera finie, on se fera ça.
Et merde, on est coincé. L'onde de choc a grillé les circuits. Alors en route. On n'a plus beaucoup de temps. Qu'est-ce qu'ils fabriquent là? Ils cherchent l'amulette, j'imagine. Il faut leur expliquer pour Shinnok. Demander une trêve. Amenez-les-moi! Ou pas. La forêt. Allez! Nous les sentons, mais la forêt regorge d'âmes. Oui, tout près. Terre, les feux divins! Jackie, fais gaffe! Tu le touches? Je te démolis. Retourne te cacher sous ton rocher, reptile. Arrête. Faut mettre de l'eau. Penche la tête. Ça va mieux? Ouais, ouais. C'est flou, mais... Et là? Magnifique. Tu me rediras. Honneur aux dames. Je prends Ermac. Tu es l'engeance de Jackson Breeze. Ouais, et j'en suis fière. Je sais ce que tu lui as fait. Nous avons pris ses bras. Nous allons prendre ta vie. C'était pour toi, papa. Chaka! Détruire! Détruire, Thor! Tes yeux brillaient. Devoir les arracher! Ruse!
Fini les ruses. Un tabassage en règle s'impose. D'un coup, tant qu'à faire. Nous savons que Devora est là. Où est l'amulette? Kotal Kahn, la situation a changé. Garde ta salive pour toi. Tu lui as dit? Pas encore. Mais il faut qu'il sache. Après... Je vais vous tuer tous les deux. Shinnok a été libéré. Il est au temple de Raiden. Il a déjà infecté l'énergie vitale de la Terre. Par les enfers... La Terre est perdue. Pas si on coopère. Je vais calmer Shinnok en lui offrant vos têtes. Le temps de renforcer toutes les défenses de l'outre-monde. Tu dois nous aider, Kotal Kahn. Il est trop tard pour la Terre. Shinnok en est désormais le maître. Aurait dû nous aider. Ça suffit. Une merde. Je sais pas pour vous, mais moi je m'éclate. Tant mieux pour toi alors. Vermine, vous mourrez ce soir. Nita! Vous avez tenu bon alors que tout semblait perdu. Nombre de guerriers n'auraient pas fait aussi bien. Merci, grand maître. Je vais rester ici et renvoyer Kotal Kahn dans l'outre-monde. Rejoignez le temple céleste. Le destin de la Terre est entre vos mains. Le seigneur Shinnok a presque fini. Le Jinsei sera bientôt corrompu de manière irréversible. Ensuite, l'invasion commencera. Raiden et ses alliés seront incapables de résister. Quand le royaume sera tombé, la victoire s'offrira à nous. Informe le seigneur Shinnok que l'Oni et le Rocky sont prêts. Dès qu'il en donnera l'ordre, nous les lâcherons sur la Terre. As-tu trouvé le portail de Raiden menant aux cieux? Oui, mais ses gardiens le protègent. Impossible de passer. C'est intolérable. Une fois la Terre détruite, nous devrons accomplir la vengeance de Shinnok, envahir les cieux et détruire les dieux anciens. Venez. Une guerre contre les cieux. Si Shinnok anéantit les dieux anciens... L'univers disparaît. Compris. Kung Lao, le voir comme ça. On va tous se retrouver coincés dans le Nether si on ne réussit pas. Allez.
Takeda ! Est-ce que ta mère t'a raconté ce que j'ai fait à ses amis ? Je les ai tous tués en quelques secondes. Y compris ta propre fille. Et t'en es fière ? Nous sommes unis dans la mort. Vous le serez aussi. Et je m'occuperai personnellement de ton éducation. Bien, chère madame, mais sans façon. Je te revaudrai ça. Je m'en souviendrai. Arrière, princesse. Tu crois pouvoir m'arrêter par des mots ? Merci pour le coup de main. Pas de problème. Dépêchez-vous, mesdames. Tu ne tueras personne. Aide Jackie. T'es bien amoché quand même. Toujours le mot pour réconforter. Je peux me battre. Jackie ? C'est rien. Pas pire qu'au Kurdistan. Mais où est là ? Hein ? Allez-y. Jackie et moi, on s'en charge. Quoi ? On vous ralentirait. Dans tes rêves. Mais merde. Faites gaffe à vous. On se retrouve au paradis. Il dévore ta chair, profondément. En toi, ils grandiront et rongeront tes entrailles. Par les dieux. Papa ! Le père, puis la fille. Auront-ils le même goût ? Thank you.
C'est toi l'insecte, moi je suis l'insecticide. Salut. Ma puce. Je suis un peu trop grande pour ça, non? Non. Baba, Shinnok. Mais... Je t'aime. Papa. Voilà donc l'engeance de Johnny Cage. Quelle chance de pouvoir mettre fin à sa lignée. Si tu le veux, tu vas devoir me battre d'abord. Oui, c'est mieux. Observe, jeune fille, pendant que j'extermine ton père. Voilà ce qui attend ce qui me défie. Une mort atroce et insoutenable. Espèce d'enfoiré! Oh putain, c'est vraiment de famille. Le pouvoir de ton père ne te sauvera pas. Tu n'as aucune chance de survivre. Placez-moi dans le Jinsei. Quoi? Mais tu... ça te tuera! Je dois me purifier. Vite! Nous devons partir. Cette balade nocturne, elle peut attendre? On oublie. En échange, piscine et cocktail. Ça marche.
Il est vivant? À peine. Je m'en occupe. Toi, aide ton père. Quand je pense que j'ai flippé quand tu sortais avec des garçons. T'avais peur que je finisse avec un type comme toi. Drôle. Très belle. Sauveuse du monde. Ma plus belle réussite. Par ici. Là-dedans. Isolez Shinnok et Devorah. Et ramenez le Toubib. On va te soigner. Les secours arrivent. T'aurais dû voir Cassie. Elle l'a démoli, le Shinnok. Je veux bien te croire. Et toi, t'as fait du super boulot avec ton équipe, Johnny. T'as entendu ça, Cassie? Elle m'a appelé Johnny. Ça m'étonne pas. J'ai bien trop longtemps laissé le royaume Terre subir les horreurs de la guerre. À maintes reprises, nous avons vaincu nos ennemis, mais n'avons jamais rien exigé en retour, récompense ou rémunération. Et qu'avons-nous reçu pour nos services? Des conspirations, de la violence gratuite! À vous, nouveau souverain du Nether, je vous le dis, je ne me contenterai plus de défendre la Terre. Je traquerai et je détruirai tous ceux qui la menacent. Je serai sans pitié, je serai implacable. Shinnok était un dieu ancien, impossible à tuer. Il y a des destins pires que la mort. Thank you.